Entendu des noms. Nous devons maintenant passer aux questions orales et je reconnais la chef de la loyale opposition de Sa Majesté. Ma question s'adresse au Premier ministre. Hier, le gouvernement a affirmé qu'il planifiait avoir des critères sévères pour les organismes qui veulent faire une soumission de contrats de santé de la méga-agence du gouvernement. Est-ce qu'on va exclure des entreprises qui recherchent des contrats privés en santé? Au Premier ministre, à la ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Merci à la députée, à la chef de l'opposition officielle. Les changements destinés à moderniser notre loi et d'être axés sur les patients, les familles et les fournisseurs de soins. Et il y aura des critères stricts pour ceux qui veulent faire partie de l'équipe de santé en général. Nous allons nous concentrer sur la gestion des fonds alloués à ces organismes et nous voulons que ces fonds soient dépensés de manière adéquate. Nous voulons maintenir une qualité de soins. Nous voulons nous assurer que tous les organismes de santé soient bien financés pour offrir ces soins et ces organismes devront faire participer les patients, les familles dans la mise en œuvre de leur programme à l'avenir. Question complémentaire. Eh bien, Monsieur le Président, il semble que le gouvernement veut centrer les profits autour de leurs petits amis dans le secteur privé. Il est inquiétant que le gouvernement Ford ne puisse pas répondre simplement à ma question, une question que mérite la population. Hier, j'ai posé la question spécifiquement à propos des services de chirurgie privés. Une entreprise qui s'appelle Advanced Surgery à London et veut l'approbation du gouvernement pour commencer les procédures à leur clinique privée à but lucratif. Est-ce que le gouvernement va exclure les salles de chirurgie privée des équipes de santé, oui ou non? Dites-le à la population. La population mérite une réponse. Veuillez vous asseoir. La question est renvoyée à la ministre de la Santé. Voici la réponse à votre question. Nous axons les soins sur les patients, les familles et les aidants. Nous renforçons notre système de santé et s'il reste des fonds dans tout exercice financier, on les redonne aux équipes locales de santé. Cet argent est réinvesti dans le système public de santé. Dernière complémentaire. Eh bien, Monsieur le Président, les familles ont de la difficulté à croire l'engagement de ce gouvernement vers la santé. Les réponses ne sont pas claires et le gouvernement n'est pas clair. Les mêmes salles de chirurgie privée ont obtenu une visite personnelle du Premier ministre lors de sa campagne. Peut-être c'est parce que le Premier ministre a dit, et je le cite, qu'il ferait tout son possible pour les services privés tels que la santé. Alors, je vais poser la question au Premier ministre. Pourquoi est-ce qu'il ne veut pas faire un engagement de base pour garder les services privés en santé à l'extérieur de leur service de leur équipe de santé? Écoutez, on fait juste commencer. Je dois écouter les questions, je dois me concentrer sur ce que dit la chef de l'opposition. Reprenez le chronomètre. Réponse à la ministre. Monsieur le Président, voici ce que je réponds à la chef de l'opposition officielle. Elle continue à ignorer ce fait, c'est-à-dire que 30 % de nos services en santé sont offerts par des entreprises privées, mais c'est payé à travers notre système de santé publique. Je ne dis pas qu'on va changer. Nous modernisons le système avec notre stratégie. Nous voulons nous assurer que les familles et les patients obtiennent des soins intégrés. La chef de l'opposition officielle et son parti continuent cette campagne de peur et fait peur aux patients, surtout les aînés. Ce n'est pas quelque chose de responsable. Nous renforçons et nous modernisons notre système de santé publique pour s'assurer que les patients puissent recevoir des soins améliorés et intégrés.
Prochaine question à la chef de l'opposition. Merci, Monsieur le Président. Ma prochaine question s'adresse au Premier ministre également. Hier soir, des résidents de Brampton m'ont parlé de l'état de leur système de santé. Et ces résidents se préoccupent des longues listes d'attente et ces résidents ont déjà vu les risques de ces hôpitaux privés lorsque le dernier gouvernement conservateur en a fait des cobayes. Que ce soit des PPP, ces conservateurs ont fait un gâchis de notre système de santé. Ce projet avait moins de lits et éliminait le financement. Le projet de loi Omnibus ouvre la porte à des niveaux de soins de santé privés. Est-ce que le gouvernement va amender son projet de loi pour exclure les secteurs privés de la santé? Au Premier ministre, à la ministre de la Santé. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je dirais à la chef de l'opposition loyale de Sa Majesté qu'il n'y a rien à amender dans le projet de loi 74, car il n'y a rien pour la privatisation. Ce que nous accomplissons, c'est de moderniser notre système de santé publique. La situation qu'elle mentionne à Brampton est quelque chose qui se produit dans toute la province. C'est ce que nous essayons de régler. Nous avons une situation où 1200 patients chaque jour dans la province reçoivent des soins dans les couloirs, dans les salles d'entrepôt et d'autres endroits inappropriés. Nous voulons éliminer ce genre de soins de santé dans les couloirs. Nous voulons que les patients puissent être soignés dans des environnements sains, propres et sécuritaires. Et nous voulons nous assurer que ces fournisseurs puissent offrir les soins qu'ils désirent. Et ces soins intégrés vont faire en sorte que... Intervention du président. Merci. Question complémentaire. Monsieur le Président, les résidents de Brampton ne veulent pas d'autres soins privés ni un organisme de méga-santé. Les résidents savent qu'ils se font siphonner leur argent vers les intérêts privés, au lieu de s'en servir pour les soins de première ligne. Ces résidents ne veulent pas être coincés dans une salle d'urgence en attendant des jours et des jours pour obtenir un traitement. Les résidents se souviennent de la dernière fois que le gouvernement conservateur a promis des soins de santé privés. Et maintenant, les listes d'attente sont encore plus longues à cause des orientations de ce gouvernement la dernière fois qu'il était au pouvoir. Est-ce que le gouvernement va amender ce projet de loi Omnibus pour fermer la porte au secteur privé? À la ministre. Merci, Monsieur le Président. En passant par vous, je dirais que ce que dit la chef de l'opposition officielle, c'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Nous renforçons notre système de santé publique. Le projet de loi 74 reflète ce que je dis. Nous en parlons à nos commettants et je peux vous dire que j'ai beaucoup sillonné la province depuis que nous avons annoncé ce projet de loi. Je suis allée à North Bay Bridge, Northumberland, Free Market Aurora, Ottawa. Les gens sont emballés de ce que nous proposons. Les gens ont hâte de faire partie des équipes de santé de l'Ontario, car on sait maintenant qu'il y a beaucoup d'obstacles en place. Il y a eu des cloisonnements, et ce qui empêche la bonne communication. Les fournisseurs veulent offrir des soins de première ligne, et j'espère que vous allez être en faveur de ce projet de loi. Arrêtez la pendule. Député, veuillez vous asseoir. Redémarrer la pendule complémentaire finale. Je demande à la ministre et au premier ministre au rapport de 2017 qui indique que les hôpitaux 3P ont été construits à un coût supérieur et ont délivré moins de lits et les coûts d'intérêt ont augmenté parce que l'argent est allé dans l'intérêt privé et non pas dans les intérêts du public. Hier soir, j'ai entendu
que les gens de Brampton veulent un réseau de la santé fiable et non pas qui intéresse les conservateurs. Nous voyons un gouvernement qui congédie les professionnels de la santé, dont les infirmières, prennent des photos dans des cliniques privées. Il y a d'autres façons pour le gouvernement d'avoir le respect de la population. Lorsque le premier ministre refuse qu'il ne va pas privatiser, nous voulons avoir la confiance. Est-ce que le gouvernement va-t-il modifier son projet de loi sur la santé pour ne pas permettre la prestation de soins de la part d'organismes privés? À redémarrer la pendule. Député de Kitchener-Conestoga, ministre des Richesses naturelles et des Forêts, Niagara-Ouest, King Vaughan, rappel à l'ordre, redémarrer la pendule. Réponse de la ministre. Par vous, je voudrais rappeler au chef de l'opposition officielle que les anciens hôpitaux, que les hôpitaux ont été construits par les libéraux. Nous avons 15 ans, nous avons eu 15 ans de mauvaise gestion, de manque de respect des patients. Voilà sur quoi on met l'accent dans le cadre du projet de loi 74. Il n'y a aucun élément dans le projet de loi qui recherche la privatisation du réseau de la santé. Nous voulons renforcer le réseau public et les gens de la province puissent continuer à avoir accès au réseau de la santé publique pour les services nécessaires, pour diminuer les listes d'attente pour des services intégrés. Je demande de le relire et d'appuyer notre position. Merci. Prochaine question. Chef de l'opposition. Au premier ministre, pendant des mois, le premier ministre a insisté qu'il a un excellent bilan en matière de transport en commun. Quelle surprise! Veuillez vous asseoir. Redémarrer la pendule. Chef de l'opposition, c'est une surprise pour la population qui l'ont vu à l'hôtel de ville où elle a fait un excellent travail pour déchirer les choses, détruire les choses. Maintenant, le Star a révélé que le gouvernement libéral veut éliminer le plan de transport et suivre un plan vague qui comprend une ligne d'atténuation privée. Pourquoi le gouvernement veut-il détruire les plans de transport en commun déjà approuvés et en cours en Ontario? Premier ministre. Merci, M. le Président. Et par vous, en matière de transport en commun, c'est le début. Vous n'avez rien vu encore. Nous allons avoir du transport en commun. Nous allons construire le métro. Nous allons faire déplacer les gens de A à B dans le Grand Toronto vers Hamilton pour la ligne d'atténuation du centre-ville. Pour Scarborough et les gens de Scarborough, il y a de l'aide qui vient. Nous allons faire un annonce aujourd'hui par le ministre des Transports, 1,2 milliard d'infrastructures. Et finalement, la province est sur les rails. Complémentaire, les gens de Toronto veulent un transport en commun qui fonctionne. Nous avons un premier ministre qui est intéressé en gaspillant des milliards de dollars, en revoyant les plans, en retardant la construction et en privatisant les lignes de transport. Les gens ne devraient pas payer la facture parce que le premier ministre a décidé qu'il veut être le maire de Toronto. Et les gens de Toronto veulent un transport en commun qui fonctionne, non pas dans un crayon, non pas dans un plan fait au crayon. Va-t-il arrêter la privatisation et travailler avec la Ville de Toronto pour remettre le transport en commun sur les rails? Une fois de plus, nous allons construire
du métro, des métros dans le Grand Toronto, autour de Toronto. Par vous, Monsieur le Président, nous allons dépenser à l'échelle de l'Ontario une dépense à la hauteur d'un milliard d'euros. Vous avez l'entendre du meilleur ministre des Transports que nous ayons eu. Il est tellement occupé qu'il n'arrive pas à tenir ses engagements pour s'assurer que nous allons prolonger les services GO, construire des routes, réparer les routes et créer le meilleur service de transport dans le monde. Nous investissons davantage dans nos infrastructures qu'ailleurs en Amérique du Nord à la hauteur des milliards de dollars dans les infrastructures à l'échelle de la province. Prochaine question. Député de Hastings, Lennox, Addington. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au premier ministre. La semaine dernière, il était avec le ministre de l'Agriculture, de l'Environnement à Oxford pour discuter de l'impact de la taxe carbone dans le secteur agricole. Les fermiers de ma circonscription ont été clairs que la taxe fédérale va leur coûter très cher, quelle que soit leur opération. Ce sont les meilleurs intendants de la terre. Et pendant des années, ils ont gagné leur vie en protégeant les terres qu'ils ont refilées à leur famille. Notre gouvernement souhaite diminuer les coûts des fermiers et d'éliminer le programme d'échange et de plafonnement et la taxe carbone. Qu'est-ce qu'il a entendu le premier ministre sur l'impact de cette taxe carbone destructive? Premier ministre, je voudrais remercier le groupe parlementaire. C'est un véritable chef de notre groupe parlementaire. Je suis allé dans la circonscription. Et lorsque j'ai vu, j'ai parcouru la ville, tout le monde aimait le député. Nous étions dans une région agricole. Nous sommes sortis de la bulle de Toronto. Les meilleurs intendants de l'environnement, le ministre de l'Environnement, a un plan extraordinaire. Vous n'avez pas, pour dire que vous n'avez pas une taxe carbone, parce que la taxe carbone ne fait rien pour l'environnement, rien pour l'environnement. Et déjà, nous avons 22 % de réduction des GES. Nous allons dépasser nos objectifs en matière de réduction des GES complémentaires. Je voudrais remercier le premier ministre de sa réponse. Les gens de l'Ontario nous ont élus pour mettre fin à la mauvaise gestion libérale de 15 ans. Pour rendre la vie plus abordable. Tristement, il nous reste quelques jours avant de se faire imposer une taxe carbone par le fédéral sur tous les honnêtes citoyens de l'Ontario. C'est inacceptable. Et je peux vous dire, cette taxe, la pire taxe de l'histoire de l'Ontario, notre premier ministre, notre parti, nous allons faire quelque chose. Nous allons contester devant les tribunaux, c'est inapproprié, il faut y mettre fin. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée? Premier ministre, par vous, Monsieur le Président. Je vais exprimer mon point de vue, pas seulement en Ontario, mais au pays. La population n'aime pas cette taxe carbone. C'est un fardeau sur tous les Ontariens et les Canadiens, sur toutes les entreprises, les honnêtes citoyens, des dépanneurs qui travaillent 18 heures par jour. Il n'y a personne qui travaille aussi fort que les gens qui se lèvent à 6 heures, ouvrent leur dépanneur jusqu'à minuit. Cela aura un impact négatif sur les PME, les grandes entreprises. Nous essayons de concurrencer le monde entier, mais on ne peut pas le faire avec la main derrière le dos. Le 1er avril, vous allez payer davantage sur l'essence pour tout ce que vous achetez dans les épiceries.
et tout va augmenter. Intervention du président. Merci. Arrêtez la pendule. Redémarrer la pendule. Député de Brampton Nord, ma question s'adresse au premier ministre. Lorsqu'on lui a parlé de la nomination de Ron Tavener, le gouvernement a dit que c'était un processus équitable. Il y a eu un comité indépendant qui a pris la décision. Le même jour, un député de ce comité a parlé à Dean French, et je cite, le message sur le commissaire de la PPO indépendant de qui? Et lorsqu'il était à TVS, je vais retirer le mot indépendant. Va-t-il corriger sa déclaration et nous dire la vérité ou maintient-il sa position? Arrêtez la pendule. Député de Carleton, à l'ordre. Redémarrer la pendule. Premier ministre, leader parlementaire du gouvernement. Merci, Monsieur le Président. Le député d'en face, le même député qui a déposé une plainte auprès du commissaire à l'intégrité, et ce commissaire a eu des discussions avec plusieurs personnes concernées. Et à la fin de l'enquête, le commissaire a rendu public un rapport, et je voudrais le dire, qui a exonéré dans l'ensemble le premier ministre de l'Ontario. On apprécie les conclusions du commissaire à l'intégrité. On le remercie pour l'enquête qu'il a menée. Et selon nous, ce sujet n'existe plus. Et il y a d'autres éléments dont il voudrait se soucier. Mais le député de nos bandes, aucune question concernant les véritables enjeux. Complémentaire. Merci. La question s'adresse au premier ministre. La commissaire à l'intégrité déclare dans ce rapport que le secrétaire du cabinet était préoccupé concernant le processus d'embauche. Jour après jour, le ministre et le premier ministre ont utilisé le même mot, ont demandé le président, mais le ministre ne pouvait pas donner la vérité. Maintenant que le secrétaire du cabinet a dit au gouvernement de ne pas utiliser le mot indépendant, le premier ministre va-t-il admettre que ce n'était pas la chose à faire, ministre? Merci au député de sa question. Le rapport est clair. Et le rapport est très clair. Et depuis le début, cette plainte était frivole et sans mérite. Et le rapport a exonéré complètement le premier ministre de l'Ontario. Je ne comprends pas pourquoi le parti veut jouer de la politique avec cet enjeu, parce que personne semble se préoccuper, personne en Ontario. La population de l'Ontario veut savoir ce qui se passe en matière de création d'emplois, de politique et des athlètes qui sont ici pour les joueurs de hockey spéciaux. Nous avons créé 95 nouveaux emplois en Ontario. Intervention du président. Veuillez vous asseoir. À l'ordre, redémarrer la pendule. Prochaine question. Député de Etobicoke Lakeshore. Merci. Oui, j'ai une question en matière de politique et pour la procureure générale. De ce côté de la Chambre et mes collègues appuient les hommes et les femmes
en uniforme, on leur donne les outils et les ressources nécessaires pour la sécurité dans les rues. Mais comme étant, font confiance au gouvernement pour éliminer la violence commise par les gangs armés et que pour revenir et remettre les jeunes sur la bonne voie. Voulez-vous expliquer ce que le gouvernement fait pour éliminer le cycle de violence dans les rues? Procureur général, Monsieur le Président, je voudrais remercier la députée de sa question. Je suis fier de dire que notre gouvernement a annoncé une stratégie pour lutter contre la violence armée dans la rue. En août de l'année dernière, nous avons annoncé la première phase pour lutter contre les gangs armés à Toronto. Et la seconde phase s'attaque aux problèmes dans les collectivités pour faire de l'intervention et de la prévention. L'un des éléments clés de notre démarche est de créer des centres de justice pour on ait de la justice dans les centres communautaires en santé. C'est un nouveau modèle d'intervention en Ontario qui s'est avéré efficace pour éliminer les gangs de roues ailleurs en Amérique du Nord. Je suis fier de dire que nous allons tenir notre promesse. Merci, complémentaire. Monsieur le Président, je remercie la procureure générale de sa réponse. Les candidats, nous avons fait une promesse à la promesse pour améliorer la sécurité dans les rues. En tant que député de ce gouvernement, pour la population, je suis très fier de dire que notre gouvernement s'engage à s'attaquer à la violence armée à l'échelle de l'Ontario et s'assurer de retirer les criminels des rues. Ma question complémentaire s'adresse à la ministre des Services correctionnels et de la Sécurité communautaire. Va-t-elle décrire les investissements pour la sécurité des familles et s'attaquer à la violence armée dans nos collectivités? Procureur général, ministre de la Sécurité communautaire et des services correctionnels. Merci à la députée. Nous en avons parlé pendant les audiences et je sais que c'est très important pour vous. En outre, des nouvelles mesures d'intervention et de prévention, nous avons annoncé des ressources pour aider les policiers pour assurer la sécurité des gens honnêtes en Ontario. Nous allons aider les policiers à l'échelle d'Ontario pour mener des enquêtes et poursuivre les criminels et d'améliorer la collecte d'informations et la coordination des services. Nous allons créer un fonds de financement spécial pour les opérations mixtes au sein de ces forces policières. Nous n'allons pas laisser les gangs exploiter les jeunes et enlever la sécurité dans nos rues. Député de Brampton-Est. À la ministre de la Santé et des Soins de longue durée, hier, j'ai tenu une séance de renseignement à Brampton sur notre réseau de la santé qui ne fonctionne plus, où les gens partageaient leurs histoires. Les gens tels que Teresa, née de descendance africaine, elle a décrit une expérience qui était très difficile pour elle. Elle souffre d'anxiété postpartum et malgré ses meilleurs efforts et les efforts des travailleurs de première ligne, elle a attendu pendant des heures parce qu'il n'y avait pas de chambre disponible. Elle a partagé ses émotions les plus noires, les plus sombres dans le couloir. Maintenant, elle est enceinte pour la deuxième fois, mais elle est aussi effrayée. Elle se pose la question, et si je devais souffrir de dépression postpartum de nouveau, les mères
mineurs tels que Teresa, comment est-ce qu'on peut leur permettre de devoir raconter toutes leurs émotions dans le couloir? Je remercie le député de sa question. Nous avons un réseau qui ne fonctionne pas, où les gens ne reçoivent pas les soins qu'ils méritent et la transition... et où le réseau est fracturé. On essaie de régler et de moderniser le réseau de la santé. Je partage les inquiétudes de votre commettante qui reçoit des soins de santé dans le couloir. Ça se produit à l'échelle de la province, 12 000 personnes par jour. Il n'y a pas de réponse simple à ce problème. Il faut faire poser plusieurs gestes sur différents fronts. Et c'est ce que nous allons faire, comme nous allons le faire avec le projet de loi 74. Nous avons aussi offert 3,8 milliards de dollars sur 10 ans pour nous assurer que les gens tels que votre commettante reçoivent l'aide dont ils ont besoin en matière de dépression postpartum ou tout autre trouble mental. Voilà ce que nous faisons. Nous modernisons notre réseau de la santé publique afin de traiter des situations telles que celle-ci. Complémentaire. Monsieur le Président, afin de mettre fin à la médecine du couloir, afin que de nouvelles mères telles que Teresa puissent être soignées avec dignité, il est nécessaire de bien financer l'hôpital de Brampton en convertissant l'hôpital mémorial de Westmount dans notre circonscription. Ce gouvernement a voté contre mettre fin à la médecine du couloir à Brampton. Ma question est simple, pourquoi? La ministre. La situation à Brampton est similaire à celle qui se trouve dans différentes collectivités qui sont en pleine croissance, où on fait face à plus haut niveau de médecine du couloir. On veut y mettre fin à Brampton, mais à l'échelle de la province aussi. Encore une fois, la réponse n'est pas simple. Une chose qu'il faut faire, c'est de créer plus de foyers de soins de longue durée, parce que, comme vous le savez, les gens qui sont à l'hôpital n'ont pas nécessairement besoin d'y être, mais n'ont aucun autre endroit où se rendre. Et voilà l'une des raisons pour lesquelles nous nous sommes engagés au cours de la campagne électorale de créer 15 000 nouvelles places en soins de longue durée au cours des prochaines années. Nous avons déjà atteint la moitié de cet objectif. Nous travaillons de façon acharnée pour compléter cet objectif. Nous travaillons aussi à rassembler toutes les entités du réseau de la santé afin qu'ils puissent travailler ensemble. Et enfin, il faut avoir une meilleure gestion des maladies chroniques. Intervention du président. Député de Lennox-Kingston. Kingston, merci. À la ministre de la Sécurité communautaire et des services correctionnels, jeudi dernier, j'étais à une levée de fonds à Perth pour la maison d'intervalle de Lennox, qui fournit des services essentiels aux victimes de violences conjugales. On m'a rappelé l'engagement du ministère de la Sécurité communautaire et des services correctionnels il y a 3 ans de considérer un projet pilote sur la surveillance GPS des délinquants dangereux. Est-ce que la ministre peut me dire si on a mis en place ce projet pilote et est-ce qu'elle partagera les résultats avec la Chambre? La ministre de la Sécurité communautaire et des services correctionnels, je remercie le député de sa question. Et comme il le sait très bien, il y a 3 ans, le Parti libéral était au pouvoir. Je peux vous assurer aux députés que nous sommes engagés de façon active avec nos partenaires dans le secteur correctionnel et des libérations conditionnelles, alors que nous travaillons ensemble pour étudier les questions qui amélioreront la sécurité de notre collectivité. Ce que nous avons découvert, c'est qu'il y a eu un manque de gestes posés au cours des 15 dernières années. Nous avons signalé fortement nos partenaires des deux côtés du dossier de la justice, que ce soit les forces policières ou du côté des procureurs de la Couronne, que nous travaillerions ensemble dans une approche multiministérielle afin d'améliorer la sécurité de nos collectivités et de pouvoir comprendre et atteindre notre objectif d'assurer la sécurité de nos collectivités. Complémentaire. Encore une fois, la ministre,
Monsieur le Président, je n'ai pas entendu de réponse à savoir s'il y a eu un projet pilote mis en place ou non. Et je suis étonnée que la ministre ne sache pas si ce projet pilote a été mis en vogue ou non. Est-ce que la ministre s'engage à revoir la correspondance précédente avec le ministère sur ce sujet et faire rapport sur le statut d'un système de surveillance GPS actif afin que les femmes qui ont fait l'expérience de violence conjugale puissent se sentir en sécurité et avoir une mesure de plus qu'un ordre de non-contact. La ministre, comme le député le sait, que ce soit du côté du gouvernement ou de l'opposition, nous avons étudié plusieurs systèmes. Nous avons fait plusieurs suggestions lorsque nous étions à l'opposition, et comme je l'ai mentionné, c'est une approche multiministérielle que nous étudions, et j'aimerais souligner un élément de la violence faite aux femmes et sur la traite de personnes. Nous avons un investissement dans notre gouvernement de 174,5 millions de dollars. Pour aider les services aux femmes, nous investissons 1,5 million de plus pour les services de première ligne ruraux. Et je ne crois pas qu'il y ait de doute sur le fait que l'on voit les défis, que l'on fait face à des défis, que ce soit dans l'Ontario rural ou dans les centres urbains, où on voit une augmentation des situations de traite de personnes qui continuent d'être intervention du président. Merci. Prochaine question. Député d'Eglinton-Lawrence. Merci, Monsieur le Président. Au meilleur ministre des Transports, en tant que député de Toronto, je suis fière que notre gouvernement livre la marchandise sur ses promesses de s'attaquer aux embouteillages dans la région du Grand Toronto. Pendant trop longtemps, la congestion a immobilisé la région, ce qui coûte des milliards à la province en productivité, et les Ontariens ont perdu du temps et ont été on fait face à plusieurs inconvénients. Le gouvernement précédent faisait quelques consultations. On a besoin de moins parler et d'agir plus. C'est essentiel pour les résidents de la région du Grand Toronto. Il faut construire des métros et les construire plus rapidement. Est-ce que le ministre peut nous dire quel est son plan pour la construction de métros afin que Toronto et sa région puissent enfin se déplacer? Je remercie la députée de Eglinton-Lawrence et la flatterie, les compliments vous ouvriront toutes les portes. Notre gouvernement s'est engagé de construire le transport en commun. C'était notre plan au départ, c'est notre plan maintenant et ce sera notre plan à l'avenir. Voilà ce dont on parle, de construire le transport en commun. On ne veut pas jouer à des jeux politiques. On ne veut pas dire qu'on vole le transport en commun de la ville de Toronto. Tout ce que l'on veut, c'est de construire le transport en commun plus rapidement pour les contribuables de cette province. Monsieur le Président, nous avons fait campagne pour saisir le dossier du transport en commun de la CTT. Nous avons fait campagne pour donner le transport en commun mérité par Scarborough. Nous avons fait campagne pour le train léger sur rail d'Ottawa. Nous avons fait campagne pour construire une ligne de métro afin d'aider à diminuer la congestion dans les transports en commun, et c'est ce que nous faisons. Redémarrer la pendule complémentaire. Merci pour cette réponse. C'est bien de savoir que notre gouvernement pour la population s'en tient à ses objectifs et son plan de transport en commun. On ne peut pas se mettre de côté en raison de la politique. Il faut livrer les projets de transport en commun immédiatement. Malheureusement, les suspects normaux au conseil de ville de Toronto veulent entraver notre voie. Pendant 15 ans, on a vu les libéraux échouer dans les déplacements provinciaux.
Ils ont vu le conseil municipal ne pas aller de l'avant sur le plan du transport. Le temps d'agir est maintenant. Pouvez-vous vous engager, Monsieur le ministre, à construire des métros maintenant et à faire en sorte que la population de Toronto puisse se déplacer plus de façon plus facile? Je remercie la ministre de sa question. Monsieur le Président, nous sommes sur la bonne voie. Nous allons enfin faire les premières pelletées de terre. Nous sommes sur la bonne voie. Nous ne laisserons pas les néo-démocrates et le conseil de ville idéologique entraver notre voie. Nous avons un plan. Nous allons livrer la marchandise sur ce plan. Nous allons prolonger le transport en commun à Scarborough. Nous allons construire le train léger sur rail, la ligne de métro afin d'aider à décongestionner le réseau. C'est ce que nous allons faire. Un rappel à l'ordre. À l'ordre. Redémarrer la pendule. Prochaine question, député de Davenport. Merci, Monsieur le Président. À la ministre de l'Éducation. Avec 10 000 postes dans le secteur de l'éducation qui disparaîtront, il est important de considérer l'impact de perdre un seul enseignant sur les élèves de l'Ontario dans les régions rurales et éloignées. Plus de détails émergent enfin. Le district scolaire de Bluewater estime que 50 emplois seront perdus en raison de ce plan. Grand Erie perdra 94 postes enseignants ainsi que 8 pour les programmes d'école secondaire. Comment est-ce que de retirer des enseignants des salles de classe aidera les région rurale à réussir? La ministre de l'Éducation. Je suis très heureuse de parler de la façon dont on appuiera les écoles dans l'Ontario rural et urbain. C'est important non seulement pour les parents, les enseignants, mais aussi pour les élèves. Lorsqu'on parle d'appuyer nos enseignants, je veux être claire. Nous investirons plutôt, afin de nous assurer que personne ne perde son emploi. Et les chiffres qui sont cités de l'autre côté, en fait, n'ont rien à voir. Et ne font que semer la peur. C'est honteux que le parti de l'autre côté s'accroche à tous les éléments possibles afin de semer la peur parmi nos élèves, nos enseignants et nos parents. Comme je l'ai dit auparavant, c'est absolument honteux parce que toute personne qui connaît les conseils scolaires sait très bien que c'est le moment de l'année où les conseils scolaires regardent leur liste d'enseignants et doivent passer par un processus où il y a des avis envoyés. Intervention du président, merci. Complémentaire. Monsieur le Président, la ministre ne peut continuer d'éviter ces questions. Ce sont des chiffres qui viennent des conseils scolaires eux-mêmes et qui sont le résultat du plan de cette ministre de compression en éducation pour les conseils scolaires ruraux et éloignés où les enfants ne recevront plus l'attention seul à seul qu'ils méritent de leurs enseignants et créera des problèmes dans différents sujets. Lorsque les enseignants ont des habiletés spécialisées comme le français, la physique, la musique, les arts, lorsque ces enseignants ne sont pas remplacés, ces postes seront perdus. Les enseignants au secondaire estiment que 34 000 classes seront perdues et que cela affectera tout particulièrement les étudiants en région rurale. Les libéraux ont passé 15 années à attaquer les régions rurales en fermant leurs écoles. Pourquoi est-ce que ce gouvernement décide de faire la même chose? La ministre. Monsieur le Président, je peux vous dire ce qui suit, et je veux être claire. À tout le monde qui nous écoute et écoute la rhétorique qui provient de l'autre côté, c'est absolument honteux la façon dont ce parti essaie de semer la peur, parce que le fait est que nous appuyons nos salles de classe, nous voulons le meilleur environnement d'apprentissage possible, ce qui signifie d'appuyer nos enseignants et nos élèves. En fin de compte, les parents pourront ainsi avoir confiance en leur système d'éducation. Et laissez-moi vous dire ce que l'on fait. Comme nous l'avons dit auparavant, il n'y aura pas de perte d'emploi non volontaire. Et nous allons travailler avec les conseils scolaires et investir afin de nous assurer que personne n'ait de mauvaise expérience
pour une situation imposée par les conseils scolaires. Le fait est, encore une fois, que nous investissons $1 milliard pour nous assurer que personne ne perde son emploi de façon involontaire et que le système d'éducation de l'Ontario soit de retour sur la bonne voie, enfin, une fois pour toutes. Next question. Prochaine question. The member for Willowdale. Député de Willowdale. Merci, Monsieur le Président. Au ministre des Finances, notre gouvernement fait campagne sur un engagement clair de donner plus de choix et moins d'inconvénients à la population de l'Ontario. La population nous a dit clairement qu'elle voulait voir l'élargissement de la vente d'alcool dans plus de dépanneurs, de supermarchés et d'épiceries à grande surface. Notre gouvernement a fait des progrès envers cet engagement pris auprès de la population. Notre famille doit sa réussite au dépanneur. Est-ce que le ministre peut réitérer notre engagement à donner plus de choix et moins d'inconvénients à la population de l'Ontario? Le ministre des Finances. Merci, Monsieur le Président. Et je remercie le député de Willowdale. Nous nous sommes engagés à améliorer le choix et donner moins d'inconvénients aux consommateurs ontariens. C'est la raison pour laquelle nous avons invité les gens à donner leur opinion sur la vente de boissons alcoolisées et de bières et vins par des consultations en ligne. Nous revoyons les 33 000 réponses qui nous aideront à élaborer notre plan pour élargir la vente dans les dépanneurs, les épiceries et les magasins grande surface. Nous avons confiance que les Ontariens et Ontariennes sont assez matures pour prendre les choix qui leur appartiennent par la consommation sécuritaire de l'Ontario, qui est toujours notre priorité. La population nous a dit qu'elle voulait voir ces changements être mis en place et nous prévoyons livrer la marchandise. Complémentaire, député d'Aurora Oak Ridges. Je remercie le ministre de sa réponse. Monsieur le Président, la population ontarienne est très heureuse d'avoir la possibilité, d'entendre parler de la possibilité de plus de commodité pour l'achat de leurs boissons alcoolisées. Prenons un instant pour reconnaître l'Association des dépanneurs de l'Ontario qui sont ici à Queen's Park aujourd'hui. Monsieur le Président, ces propriétaires d'entreprises sont la pierre angulaire de toutes nos collectivités. Ils créent de l'emploi et investissent dans les collectivités où ils sont établis. Ils font partie de la raison pour laquelle notre gouvernement se concentre sur le fait qu'il faut ouvrir l'Ontario aux affaires. Est-ce que le ministre peut expliquer l'importance des dépanneurs en Ontario? Le ministre. Merci, Monsieur le Président. Je remercie le député d'Aurora Oak Ridges Richmond Hill et c'est un plaisir d'accueillir l'Association des dépanneurs de l'Ontario ici à Queen's Park aujourd'hui. Avec près de 7 500 membres, la moitié d'entre eux sont des propriétaires d'entreprises indépendantes. Nous sommes très heureux de les avoir consultés aujourd'hui pour parler de notre plan ouvert pour un Ontario ouvert aux affaires et ouvert à la création d'emplois. Cela inclut le fait que nous avons épargné des milliards de dollars aux entreprises avec l'élimination du régime de plafonnement et échange. C'est la raison pour laquelle nous continuons à diminuer le fardeau administratif auquel font face les entreprises. Par ces changements, nous voulons continuer à appuyer ceux qui, dans notre communauté des affaires, qui ont été ignorés depuis trop longtemps. Merci, Monsieur le Président, et je leur souhaite la bienvenue. Le député de Timmins. Merci. Cette question s'adresse à la première ministre suppléante. Hier, on a posé une question au premier ministre en lui demandant de permettre à Élections Ontario de revoir les règles en matière de collecte de fonds des partis politiques. Le premier ministre a soulevé des choses très importantes en Chambre et s'il était sérieux, il aimerait bien permettre cette enquête. Va-t-il ajouter son nom à la lettre que nous avons écrite hier? Le leader parlementaire du gouvernement. Je ne comprends pas pourquoi cette question est reliée à la politique gouvernementale, mais je suis heureux de vous dire que nous avons perçu d'importantes sommes
appuie notre élection et nos collectes de fonds respectent les règles de la mesure législative adoptée dans cette Chambre. C'est la même mesure législative que respecte l'opposition officielle ainsi que les députés indépendants. Ils ont aussi l'occasion de faire des collectes de fonds en respectant ces mêmes règles. Et je peux vous rassurer que nos collectes de fonds ont respecté les règles et en fait ont été couronnés de succès. Et donc je comprends que selon les médias, les députés de l'opposition sont troublés car ce parti vend quelque chose que veut acheter la population. Mais pour eux, au contraire. L'opposition à l'ordre. Question complémentaire. Encore une fois, la première ministre suppléante. D'autres députés se sont dit prêts à se joindre à nous. En fait, c'était même certains des députés gouvernementaux. Peut-être le premier ministre ne veut pas qu'élection aux Ontario. Mais l'enquête concernant sa collecte de fonds de 1 250 $ le plat et des lobbyistes qui ont été obligés de vendre ces billets. Mais la population mérite des réponses. Si le premier ministre est en désaccord, il devrait le dire. Mais allez-vous demander au premier ministre de signer cette lettre? Le leader parlementaire du gouvernement. Monsieur le Président, les règles sont en place. Nous avons un haut fonctionnaire en matière des élections. Il y a des collectes de fonds qui arrivent à tous les jours. Nous avons eu plusieurs dîners à 25 $ le plat. Et nous avons hâte de commencer les barbecues, d'arrêter les pâtes, manger des hot dogs, des hamburgers, et de voir les Ontariennes qui sont heureux de l'orientation de notre gouvernement. Nous avons eu une collecte de fonds importante qui, en fait, avait battu des records. L'opposition officielle organise sa propre collecte de fonds de 800 $ la place. Et je ne sais pas si le NPD a respecté les règles. Il y avait certaines questions. La situation est un peu floue et peut-être qu'il y en aura une enquête, mais c'est 800 $ le plat et on est récompensé, c'est-à-dire on a le droit de passer du temps avec la chef de l'opposition officielle. À l'ordre, le député de Barrie-Springwater, Oral Medante. Merci, Monsieur le Président. Cette question s'adresse au ministre du Développement du Nord, de l'Énergie et des Mines. Monsieur le Président, après 15 ans, le gouvernement libéral est devenu fatigué. Son inaction a causé des inefficacités au sein du gouvernement. Le secteur énergétique en est un exemple. Et les Ontariens nous ont élus pour régler cette situation. Nous avons annulé les projets inutiles d'énergie renouvelable. Nous avons abrogé la loi sur l'énergie verte pour arrêter le gaspillage du dernier gouvernement. Et nous sommes en train de régler le chaos au sein du secteur énergétique. Et au ministre, pourquoi est-il si important de moderniser la Commission de l'énergie de l'Ontario? Le ministre de l'Énergie, je ne sais pas si je peux vous donner de si excellents acronymes, mais j'ai parlé à l'Association des distributeurs de l'électricité. Et en fait, des centaines de personnes m'ont dit « Veuillez apporter une réforme à la CEO. Il y a les approbations sont retardées, il y a de l'incertitude au niveau des coûts et au niveau des questions réglementaires. » Le moment est venu et voici l'occasion. L'année dernière, le NPD a dit « Nous n'allons pas fournir l'électricité aux Ontariennes durant l'hiver. » Et maintenant, ils nous disent que nous ne fournissons pas l'électricité de façon transparente. Le NPD s'oppose à la modernisation de la CEO. Et en fait, ils disent que nous ne favorisons pas la conservation. En fait, nous allons nous assurer du meilleur avenir pour tous. Question complémentaire. Je remercie le ministre de sa réponse. Sans doute, sous le leadership de ce ministre, la CEO deviendra encore une fois un réglementeur compétent qui réduit les formalités administratives que constitue un fardeau pour notre économie. Nous savons tous que le dernier gouvernement aimait bien dépenser de l'argent.
Ils adoraient dépenser l'argent d'autrui et lorsqu'ils n'en avaient plus, il en a emprunté, mais notre gouvernement ne le fait pas. Nous respectons les contribuables. Le ministre peut-il nous expliquer comment nous respectons les contribuables en déposant le projet de loi 87? Le ministre de l'Énergie, le nom du projet de loi est tout à fait approprié. En fait, la situation a été qualifiée de gâchis par ceux qui payent les factures mensuelles, mais aussi par la CEO. Voici ce qu'a dit la vérificatrice générale concernant la rentabilité du système. La vérificatrice générale a dit que baisser la consommation d'électricité par voie de conservation n'est pas importante. En fait, en période d'excédent, ceci augmente les coûts. Et voici une citation de Tom Adams et Rich McKittrick. La conservation coûte 2 $ pour chaque dollar épargné. Nous sommes déterminés à redonner plus d'argent aux Ontariens. Nous voulons que leur facture d'électricité soit abordable et transparente. Et en allant de l'avant, nous allons baisser les tarifs d'électricité. Nous allons régler le chaos créé. Question suivante. Le député de York Sud-Weston. Merci, Monsieur le Président. Cette question s'adresse à la ministre de l'Éducation. Pendant 8 ans, Food Share Toronto emploie jusqu'à 20 étudiants en été, tout en leur donnant l'occasion de gagner des crédits universitaires. Food Share permet aux élèves qui sont un peu en retard en matière des cours, mais en raison des compressions du gouvernement, Food Share Toronto n'a pas pu participer au programme d'emploi et des programmes d'après-école. Pourquoi le gouvernement ignore-t-il des entités comme Food Share qui donnent aux élèves la capacité d'être couronnés de succès? Le ministre de l'Éducation. Merci, Monsieur le Président. C'est un plaisir de répondre à cette question. Je dois préciser, nous investissons dans les élèves, nous investissons dans les programmes qui leur permettront d'avoir les compétences nécessaires pour trouver un bon emploi. J'étais à First Robotics à Barrie il y a quelques semaines. J'étais avec M. Downey et Mme Cajun. Et donc, le travail d'équipe a été mis en valeur. Il y a eu des mentors, des enseignants qui étaient ravis du fait que leurs élèves se concentraient sur la science et la technologie. Et ce sont les compétences dont nos élèves ont besoin pour pourvoir les postes d'aujourd'hui et de demain. Nous investissons dans ces compétences et nous faisons ce qui s'impose. Nous créons de bons environnements d'apprentissage en Ontario. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Encore une fois, cette question s'adresse à la ministre de l'Éducation. Sous ce gouvernement, le taux de chômage des jeunes est 12,3% plus élevé que la moyenne canadienne. Le gouvernement conservateur prétend s'intéresser à l'emploi, mais il ne s'intéresse pas à l'emploi des jeunes de ma circonscription. Et il n'a pas indiqué à ce programme si son financement sera continué. Donc ceci met en évidence les véritables priorités du gouvernement. Et ces priorités ne sont pas chez nos jeunes. Quand est-ce que le gouvernement arrêtera d'équilibrer le budget sur le dos des jeunes personnes? La ministre de l'Éducation, c'est le gouvernement conservateur de l'Ontario qui sera en mesure de se vanter de son succès pour ce qui est de nos efforts pour donner aux élèves les compétences dont ils auront besoin. Et certaines compétences, en fait, favorisent l'emploi de la technologie. J'aimerais parler d'un exemple. McDonald's accepte des demandes des élèves par Snapchat.
Donc, nous nous efforçons à investir dans les bons cours, dans les bons programmes scolaires pour que nos élèves soient en mesure de tirer profit de la technologie. Nous voulons leur donner les compétences nécessaires pour trouver de bons emplois. Et, Monsieur le Président, je suis ravi de voir l'orientation du programme scolaire. Merci. Question suivante, le député de Peterborough-Kawartha. Cette question s'adresse au ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport. En Ontario, il y a plus de 70 organismes qui participent au programme d'hockey pour personnes ayant des troubles développementaux. Nous célébrons la première journée de hockey spécial aujourd'hui. Cette journée arrive au début du tournoi de hockey pour personnes ayant des troubles développementaux. C'est une façon de sensibiliser la population à ces organismes et de célébrer les réalisations de ces athlètes. Le ministre peut-il nous informer comment est-ce que notre gouvernement fait de la promotion de cette journée? Le ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport. Monsieur le Président, par votre intermédiaire, j'aimerais remercier le député de Peterborough-Kawartha de ses efforts et de ses efforts de militantisme au nom des personnes ayant des besoins particuliers. Je comprends à quel point c'est un enjeu important pour lui. Et donc, il met en évidence les fruits de sa passion. Et je remercie le ministre des Finances pour avoir inclus cette mesure législative dans l'énoncé économique de l'automne, qui signifie que la journée du hockey adapté a été créée. Cette journée permet aux athlètes d'être en compétition avec des athlètes de partout dans le monde. On voit l'importance du travail d'équipe et beaucoup d'amitié ont été créées. C'est un plaisir de souhaiter la bienvenue à l'ensemble des athlètes. Félicitations à tous. Question complémentaire. Je remercie le ministre de sa réponse. Comme il a dit, aujourd'hui, c'est le début du tournoi de hockey adapté. Et c'est la première fois que ce tournoi arrive en Ontario depuis 2017. Aujourd'hui, le tournoi est organisé au centre athlétique. Et donc, c'est organisé par les Grand Ravine Tornadoes. Et j'aimerais dire aux athlètes, j'espère que vous allez passer un tournoi en toute sécurité. Le ministre peut-il nous mettre à jour? Comment est-ce que notre gouvernement soutient les athlètes de ce tournoi? Merci, Monsieur le Président. Merci aux députés de cette question. Notre gouvernement est déterminé à aider les athlètes ayant des besoins particuliers de réaliser leur plein potentiel. Je suis heureux de dire que nous finançons ce tournoi. Nous finançons aussi les projets pour organiser des événements athlétiques en Ontario, par exemple, les Jeux paralympiques, les Olympiques spéciales qui auront lieu en Ontario. Nous comprenons l'importance du sport et ce tournoi est une excellente façon de reconnaître les talents des athlètes en Ontario. Bonne chance à tous les athlètes en compétition. Et j'espère que vous allez passer une excellente première journée du hockey adapté. Le temps pour la période des questions est écoulé. Rappel au règlement, la députée de St. Paul's. J'aimerais dire que c'est aujourd'hui la journée mondiale du théâtre. J'aimerais reconnaître Solar Stage Theater, Sex Education by Theaters et un très grand nombre d'autres entités à St. Paul's.
Je vous encourage de soutenir les travailleurs de ce secteur. Merci. Je remercie le gouvernement de son aide. Rappel au règlement, le député de Mississauga, Aaron Mills. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais souhaiter la bienvenue à l'un de mes invités. Bienvenue à Queen's Park. Le député de Mississauga-Malton. Un rappel au règlement, j'aimerais profiter de l'occasion pour souhaiter la bienvenue à Naveed Khan, M. Chaudhry, Mme Chami et d'autres invités de Mississauga. Nous avons un vote différé pour l'amendement à l'avis de motion émanant du gouvernement concernant l'attribution de temps sur le projet de loi 74, loi concernant la prestation de soins de santé, la prorogation de santé Ontario, l'ajout de modifications corrélatives et connexes d'abrogation. Convoquez les députés. Sonnerie d'appel de 5 minutes.
Les portes sont fermées. Je demande aux députés de reprendre leur place. Le 26 mars 2019, M. Bisson a proposé un amendement à l'ordre numéro 14 émanant du gouvernement concernant l'attribution de temps pour le projet de loi 74. Tous ceux qui sont pour l'amendement de M. Bisson se lèveront à tour de rôle. Monsieur Bisson, Madame Gellin, Mr. Tabbitt, Ms. Singh-Brampton-Center, Ms. Singh-Brampton-Center, Mr. Vantoff, Ms. Horvath, Ms. Horvath, Ms. Fife, Ms. Fife, Ms. Sattler, Ms. Sattler, Ms. Begum, Ms. Begum, Ms. Shaw, Ms. Shaw, Mr. Mamakwa, Mr. Mamakwa, Mr. Yard, Mr. Yard, Ms. Carpoche, Ms. Carpoche, Ms. Lindo, Ms. Lindo, Ms. Armstrong, Ms. Armstrong, Ms. Stiles, Ms. Stiles, Mr. Kernahan, Mr. Kernahan, Mr. West, Mr. West, Mr. Gates, Mr. Gates, Mrs. Gretzky, Mrs. Gretzky, Ms. French, Ms. French, Mr. Miller Hamilton East Stony Creek, Mr. Miller Hamilton East Stony Creek, Mr. Singh-Brampton East, Mr. Singh-Brampton East, Ms. Andrew, Ms. Andrew, Mr. Hatfield, Mr. Hatfield, Ms. Taylor, Ms. Taylor, Mr. Birch, Mr. Birch, Ms. Burns McGowan, Ms. Burns McGowan, Mr. Arthur, Mr. Arthur, Monsieur Bourguin, Monsieur Bourguin, Ms. Bell, Ms. Bell, Mr. Glover, Mr. Glover, Ms. Morrison, Ms. Morrison, Mr. Rakosevich, Mr. Rakosevich, Mr. Hardin, Mr. Hardin, Ms. Monty Farrell, Ms. Monty Farrell, Mr. Hassan, Mr. Hassan, Mr. Fraser, Mr. Fraser, Ms. Wynn, Ms. Wynn, Mr. Couteau, Mr. Couteau, Madame Lalonde, Madame Lalonde, Mr. Schreiner, Mr. Schreiner, Madame Derosier, Madame Derosier, Mr. Hillier, Mr. Hillier. Tous ceux qui sont contre la motion de M. Bisson se le referont à tour de rôle. Mr. Smith, Bay of Quincy. Mr. Walker. Mr. Walker. Ms. Thompson. Ms. Thompson. Mr. Bethlenfeld. Mr. Bethlenfeld. Mr. Fidelli. Mr. Fidelli. Mr. Ford. Mr. Ford. Ms. Elliott. Ms. Elliott. Mr. Urich. Mr. Urich. Ms. Mulroney. Ms. Mulroney. Ms. McLeod. Ms. McLeod. Mr. Clark. Mr. Clark. Mr. Yakubuski. Mr. Yakubuski. Mr. Hardiman. Mr. Hardiman. Mr. Tobolo. Mr. Tobolo. Mr. Barrett. Mr. Barrett. Mr. Pettipies. Mr. Pettipies. Mrs. Marteau. Mrs. Marteau. Mr. Bailey. Mr. Bailey. Ms. McNaught. Mr. McNaught. Mr. McNaught. Ms. Fullerton. Ms. Fullerton. Ms. Scott. Ms. Scott. Ms. Jones. Ms. Jones. Mr. Cho Scarborough North. Mr. Cho Scarborough North. Mr. Rickford. Mr. Rickford. Mr. Phillips. Mr. Phillips. Mr. Miller Perry Sound Muskoka. Mr. Miller Perry Sound Muskoka. Mr. Lecce. Mr. Lecce. Mr. Coe. Mr. Coe. Mr. Downey. Mr. Downey. Mr. Gill. Mr. Gill. Mr. Cook. Mr. Cook. Mr. Calandra. Mr. Calandra. Ms. Serma. Ms. Serma. Mr. Parsa. Mr. Parsa. Ms. Skelly. Ms. Skelly. Mrs. Martin. Mrs. Martin. Ms. Triantafilopoulos. Ms. Triantafilopoulos. Mr. Sicario. Mr. Sicario. Mr. Osterhoff. Mr. Osterhoff. Ms. Park. Ms. Park. Ms. McKenna. Ms. McKenna. Mr. Nichols. Mr. Nichols. Ms. Cusindova. Cusindova. Mr. Romano. Mr. Romano. Mr. Harris. Mr. Harris. Ms. Gamara. Ms. Gamara. Ms. Hogarth. Ms. Hogarth. Mrs. Carr Hollier. Mrs. Carr Hollier. Mrs. Fee. Mrs. Fee. Mr. Cho Willowdale. Mr. Cho Willowdale. Mr. Smith Peterborough Kawartha. Mr. Smith Peterborough Kawartha. Ms. Kanji. Ms. Kanji. Mr. Pacini. Mr. Pacini. Mr. Cramp. Mr. Cramp. Mrs. Wye. Mrs. Wye. Mrs. Tangri. Mrs. Tangri. Mr. Bauman. Mr. Bauman. Mr. Rashid. Mr. Rashid. Mr. Sandu. Mr. Sandu. Mr. Crawford. Mr. Crawford. Mr. Anand. Mr. Anand. Mr. Cusetto. Mr. Cusetto. Ms. Dunlop. Ms. Dunlop. Mr. Canapathy. Mr. Canapathy. Mr. Babikian. Mr. Babikian. Mr. Babbitt. Mr. Babbitt. Mr. Pang. Mr. Pang. Mr. Tanagaslin. Mr. Tanagaslin. Mr. Roberts. Mr. Roberts. Mr. Sabawi. Mr. Sabawi. Oui, 44. Non, 70. Les oui étant 44, les non étant 70, je déclare la motion rejetée. Les députés sont-ils prêts à la mise aux voix pour la motion principale? Madame Elliott a proposé l'avis de motion numéro 33 portant sur l'attribution de temps du projet de loi 74, loi concernant la prestation de soins de santé, la prorogation de santé Ontario, l'ajout de modifications corrélatives et connexes et des abrogations. Plaît-il de la Chambre que la motion soit adoptée? J'ai entendu des noms. Tous ceux qui sont pour la motion diront oui. Tous ceux qui sont contre diront non. D'après moi, les oui l'emportent. Convoquez les députés. Une sonnerie d'appel de 5 minutes.
Madame Elliott a proposé l'avis de motion du gouvernement numéro 33 concernant l'attribution de temps pour le projet de loi 74. Tous ceux qui sont pour se lèveront à tour de rôle. Ms. Elliott. Mr. Walker. Mr. Walker. Mrs. Smith Bayer-Clinton. Smith Bayer-Clinton. Ms. Thompson. Ms. Thompson. Mr. Bethenfalvy. Mr. Bethenfalvy. Mr. Fidelli. Mr. Fidelli. Mr. Ford. Mr. Ford. Mr. Urich. Mr. Urich. Ms. Mulroney. Ms. Mulroney. Ms. McLeod. Ms. McLeod. Mr. Clark. Mr. Clark. Mr. Yakubuski. Mr. Yakubuski. Mr. Hardiman. Mr. Hardiman. Mr. Tobolo. Mr. Tobolo. Mr. Barrett. Mr. Barrett. Mr. Pettipiece. Mr. Pettipiece. Mrs. Marteau. Mrs. Marteau. Mr. Bailey. Mr. Bailey. Mr. McNaughton. Mr. McNaughton. Ms. Fullerton. Ms. Fullerton. Ms. Scott. Ms. Scott. Ms. Jones. Ms. Jones. Mr. Cho Scarborough North. Mr. Cho Scarborough North. Mr. Rickford. Mr. Rickford. Mr. Phillips. Mr. Phillips. Mr. Miller Perry Sound Muskoka. Mr. Miller Perry Sound Muskoka. Mr. Lecce. Mr. Lecce. Mr. Coe. Mr. Coe. Mr. Downey. Mr. Downey. Mr. Gill. Mr. Gill. Mr. Cook. Mr. Cook. Mr. Calandra. Mr. Calandra. Ms. Surma. Ms. Surma. Mr. Parsons. Mr. Parsons. Ms. Skelly. Ms. Skelly. Mrs. Martin. Mrs. Martin. Ms. Triantafilopoulos. Ms. Triantafilopoulos. Mr. Sicaria. Mr. Sicaria. Mr. Osterhoff. Mr. Osterhoff. Ms. Park. Ms. Park. Ms. McKenna. Ms. McKenna. Mr. Nichols. Mr. Nichols. Ms. Cusindova. Ms. Cusindova. Mr. Romano. Mr. Romano. Mr. Harris. Mr. Harris. Ms. Gamari. Ms. Gamari. Ms. Hogarth. Ms. Hogarth. Mrs. Carr Hollios. Mrs. Carr Hollios. Mrs. Fee. Mrs. Fee. Mr. Cho Willowdale. Mr. Cho Willowdale. Mr. Smith Peterborough Kawartha. Mr. Smith Peterborough Kawartha. Ms. Kanjan. Ms. Kanjan. Mr. Pacini. Mr. Pacini. Mr. Cramp. Mr. Cramp. Mrs. Wise. Mrs. Wise. Mrs. Tanger. Mrs. Tanger. Mr. Bauman. Mr. Bauman. Mr. Rashid. Mr. Rashid. Mr. Sandu. Mr. Sandu. Mr. Crawford. Mr. Crawford. Mr. Anand. Mr. Anand. Mr. Cusetto. Mr. Cusetto. Ms. Dunlop. Ms. Dunlop. Mr. Canapathy. Mr. Canapathy. Mr. Babikian. Mr. Babikian. Mr. Babbitt. Mr. Babbitt. Mr. Pang. Mr. Pang. Mr. Tanagaslin. Mr. Tanagaslin. Mr. Roberts. Mr. Roberts. Mr. Sabawi. Mr. Sabawi. Tous ceux qui sont contre se lèveront à tour de rôle. Monsieur Bisson. Madame Gellner. Madame Gellner. Mr. Tabbitt. Mr. Tabbitt. Ms. Singh Brampton Center. Ms. Singh Brampton Center. Mr. Vantoff. Mr. Vantoff. Ms. Horvath. Ms. Horvath. Ms. Fife. Ms. Fife. Ms. Sattler. Ms. Sattler. Ms. Begum. Ms. Begum. Ms. Shaw. Ms. Shaw. Mr. Mamakwa. Mr. Mamakwa. Mr. Yard. Mr. Yard. Ms. Carpoche. Ms. Carpoche. Ms. Lindo. Ms. Lindo. Ms. Armstrong. Ms. Armstrong. Ms. Stiles. Ms. Stiles. Mr. Kernahan. Mr. Kernahan. Mr. West. Mr. West. Mr. Gates. Mr. Gates. Mrs. Gretzky. Mrs. Gretzky. Ms. French. Ms. French. Mr. Miller, Hamilton East, Stony Creek. Mr. Miller, Hamilton East, Stony Creek. Mr. Singh, Brampton East. Mr. Singh, Brampton East. Ms. Andrew. Ms. Andrew. Mr. Hatfield. Mr. Hatfield. Ms. Taylor. Ms. Taylor. Ms. Birch. Ms. Birch. Mr. Birch. Ms. Burns McGowan. Ms. Burns McGowan. Mr. Arthur. Mr. Arthur. Mr. Bergwin. Mr. Bergwin. Ms. Bell. Ms. Bell. Mr. Glover. Mr. Glover. Ms. Morrison. Ms. Morrison. Mr. Rakosevich. Mr. Rakosevich. Mr. Hardin. Mr. Hardin. Ms. Monty Farrell. Ms. Monty Farrell. Mr. Hassan. Mr. Hassan. Mr. Fraser. Mr. Fraser. Ms. Wynn. Ms. Wynn. Mr. Couteau. Mr. Couteau. Madame Lalonde. Madame Lalonde. Mr. Schreiner. Mr. Schreiner. Madame DeRosier. Madame DeRosier. Mr. Hillier. Mr. Hillier. Oui, 70, non, 44. Les oui étant 70, les non étant 44, je déclare la motion adoptée. La séance est levée jusqu'à 15 heures.